Some reflexive verbs are reflexive in form only, but not in meaning. They are known as idiomatic reflexive verbs. A good example is sappele. It literally means to call oneself, but <coughs> you're not literally calling yourself when you use it to tell someone your name, right? Je m'appelle Carole. Here are a few other idiomatic reflexive verbs. s'amuser, s'arrêter, se dépêcher, se détendre, se disputer avec, s'énerver, s'entendre bien avec, s'intéresser à, se mettre à, se mettre en colère, s'occuper de, se préparer, se rendre compte, se reposer, se tromper, se trouver. Observe the following sentences. Le marché se trouve derrière l'église. Nous nous amusons bien chez Olivier. Je m'occupe du linge. S'ennuyer has the same spelling changes as envoyer. Se promener has the same spelling changes as acheter. And s'inquiéter has the same spelling changes as espérer. Je m'ennuie à mourir aujourd'hui. On se promène dans le parc. Il s'inquiète plus que mes parents. Ce souvenir is conjugated like « venir » and followed by « de » before a noun. Souviens-toi de son anniversaire. Nous nous souvenons de cette date. Let's continue. Note the spelling changes of « s'appeler » in the present tense. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Did you see the double L in all three singular forms and in the third person plural? Tu t'appelles comment? Vous vous appelez Laure? Attention. Note the irregular present tense of s'asseoir. Je m'assieds. Tu t'assieds. Il s'assied. Elle s'assied. On s'assied. Nous nous asseyons. Vous vous asseyez. Il s'asseye. Elle s'asseye. Asseyez-vous, monsieur. Assieds-toi ici sur le canapé. Now, many idiomatic reflexive verbs can be used alone or with a preposition. Marlène s'énerve. Marlène s'énerve contre Thierry. And other idiomatic reflexive verbs can be used before the conjunction que. Je me souviens que tu m'as téléphoné. À vous.